Ah! Ah! Siffleur le bandit. Trop facile. Ces idiots doivent toujours être en train de chercher ses crédits. Ok, un boss. Salut tout le monde, ici Sunsin sur ton écran et bienvenue pour ce petit, cette petite vidéo YouTube pour la suite de notre aventure sur Noob les 100 factions. On est en train de ramasser des champignons et on allait probablement avoir un combat si j'ai su lire correctement entre les lignes. Et bah, du coup on ramasse ces glosobo. Et bah voilà, j'ai... Ok, premier combat. Entrez en combat avec un ennemi et déclenchez votre premier combat. Celui-ci se déroule tour par tour. D'accord, tour par tour. Pour vaincre vos ennemis, vous disposez de deux personnages. Buster est un néogicien. Sa classe se base principalement sur ses objets équipés, ainsi que sur les grenades et les pièges que lui seul peut utiliser. Ok. Drake est un berserker. Il accumule de la rage lorsqu'il subit des dégâts. Ouais, j'aime pas subir des dégâts pour avoir des bonus de dégâts. Moi, de mon côté, j'aurais pas choisi berserker. Mais je comprends que ça existe et que certaines personnes veulent jouer comme ça. Surtout que les dégâts, ils sont assez forts généralement pour te récompenser d'avoir pris des beignes. C'est ce qui lui permet d'utiliser certaines compétences. En plus de ça, plus ses points de vie sont bas, plus il devient fort. C'est ce que je viens de dire. Vous pouvez voir se dérouler les tours de combat sur la timeline en haut. D'accord, donc en haut c'est les tours. Celui-ci découpé en deux parties, le tour actuel et le tour suivant. Oui, oui, ça je pense que j'aurais compris. Chaque personnage peut faire un nombre défini d'actions représentées sur les icônes de la timeline. Une fois la dernière action effectuée, on passe au tour suivant et ainsi de suite. D'accord, donc on passe pas son tour, c'est si on a fini notre... On clique pas sur fin de tour, quoi. Lorsque... c'est, pour les objets, lorsque c'est l'un de vos personnages de jouer, vous pouvez sélectionner une compétence ou un objet à utiliser dans le panneau. L'état de vos personnages est représenté à droite. Oh, ça va, je pense que j'aurais trouvé tout seul. Ça, c'était les points de vie et la magie. Primaire ou rage? Rage, j'ai pas puisque je suis full life en principe. Ah non, oui. Je peux faire rage? C'est quoi? Attaque à l'épée possède une chance d'appliquer saignement. Ça, c'est bien. Frappe qui draine une partie des dégâts infligés. Carrément! On a du vol de vie! Oui, on va lui faire une sale. Salut YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci, c'est gentil. Tu fais comme l'heure maintenant? Berserker, c'est pas une classe de Berserker, c'est pas une classe de spécialisation à la série. Si, c'est le petit détail. C'est vrai que dans ma tête, je me suis fait la remarque. C'est censé être une classe de spécialisation qu'on obtient après le niveau 100. Donc le fait qu'on l'atteigne niveau 1, c'est bizarre. C'est même presque injuste en fait pour Omega Zell qui a galéré sur la série pour la choper. Je comprends d'un point de vue gameplay. Mais ils auraient quand même dû faire que c'était une classe de spécialisation comme dans la série parce qu'on est censé arriver niveau 100 tôt ou tard, donc pour le coup... Coup d'épée. Attends, je me suis fait 15 de dégâts? Non, ça fait monter ma rage. C'est quand j'inflige des dégâts que ma rage monte du coup. Technologie. J'ai quoi? J'ai attaque au pistolet ou utilise une nanotechnologie et de l'armure pour se soigner. Ok, donc je ne peux pas soigner un allié. Et ça utilise de la mana. D'accord. Bon, on va lui tirer dessus. On avait que ça à faire pour l'instant. Est-ce qu'on est niveau 2 ou pas? Non, quand même pas. Faut pas exagérer, niveau 2 c'est peut-être un petit peu trop généreux. Ok. J'imagine que tu voulais dire re et que t'as cliqué sur K à la place de R qui sont pas du tout au même endroit sur le clavier. J'en sais rien. Wouah, un coffre. Une hache. Coupe fin. Pourquoi coupe fin? On va l'équiper. Comment on l'équipe? Attends, c'est pas dans l'équipement. Si, j'étais dans l'équipement. Ok, coupe fin. Attends, mais j'ai qu'une arme? Tu veux dire que je me battais à main nue? D'accord, non. Ok. Ok, ils ont les mêmes stats. J'étais en train de regarder la différence et en fait il n'y en a pas. Et je me suis dit que j'espère qu'ils l'ont fait, c'est quand même un truc qui est convenu et qui se fait assez souvent et qui marche très bien. C'est d'afficher en bas de l'écran en fait les plus et les moins en fonction de l'arme que tu prends. Par contre, c'est quoi la différence? Attaque à l'épée qui possède une chance d'appliquer saignement, ça c'est bien. Et coupe fin, ça fait quoi? Et coupe hache, attaque à la hache. Bah oui, mais si ça applique pas de saignement, je vois pas pourquoi je l'équiperais. Surtout qu'ils font les mêmes dégâts. Ça aurait dû être le contraire, du coup, non? Soit il y a une subtilité que j'ai pas compris, soit ça aurait dû être le contraire. Je commençais avec une hache et puis derrière je passe sur ça avec saignement. Re, pardon, j'avais une pub. Aucun problème. C'est pas de ma faute. C'est Twitch qui fonctionne comme ça.
Parlons-lui. Kimi 30. Certains points d'eau nécessitent une monture aquatique pour être franchis. D'autres ne sont pas très profonds et on peut être parcouru à pied. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour explorer chaque recoin. D'accord. Le fait qu'elle répète la même chose fait qu'elle a un comportement de joueur. Ça, c'est un peu dommage. D'un autre côté, c'est vrai que si t'as passé le dialogue et que tu lui reparles, je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, un truc comme ça, ou je cherche pas des amis, ça fait qu'on va perdre l'info comme quoi on peut passer l'eau. Après, ça peut être arrangé par des logs. Et le fait qu'il y ait une plante, j'avais pas fini de parler, la plante, merci, tu m'interromps pas. Et le fait qu'il y ait une plante qui marche dans l'eau, ça montre aussi et ça invite le joueur à parcourir cette étendue d'eau en disant ok, on peut marcher. Mais c'est important, c'est bien qu'ils aient mis un PNJ pour te le dire, parce que sinon, un joueur qui n'a jamais joué à un jeu vidéo et qui arrive là, il s'est dit bah merde, il y a l'eau, je peux pas passer, il cherche même pas à essayer en fait. Donc c'est bien, mais d'un autre côté, le fait que le joueur répète la même phrase, c'est un peu dommage. Dans 75 étoiles, j'ai le nom en or. Sérieux? Eh ben GG. La pub Logitech, elle saoule, elle dure 30 secondes non skippable. Ouais, je contrôle pas les pubs sur Twitch malheureusement. Ce que je peux faire, c'est forcer à vous en balancer une, mais là je vais pas le faire donc. Fight! Après, je dis ça comme ça, hein, mais les subs n'ont pas de pub. Ça, c'est pas non plus un truc que j'ai décidé, c'est comme ça de Twitch. Si, je peux faire que les subs ont quand même une pub. Pour le coup, je vois pas l'intérêt d'être sub si c'est pour te taper des pubs, en fait. Au moins ça, tu vois, avoir plus de poussière d'étoiles, avoir droit à des émoticônes uniques, m'aider, hein, et ne pas se taper de pubs, ça me paraît être important quand même. Tu es nouveau, Mehdi? Ouais, et il a fait une super affiche, vraiment, hein, vraiment, hein, je te le dis, j'ai pleuré, hein, pour de vrai. Hein. Et franchement, le pseudo, tu t'es gavé. Hein. Il est super. Sun, avec écrit en jaune et signe en blanc, mais c'est trop une bonne idée, en fait. Je pense qu'il faudra que je l'adapte et que je fasse la même chose, mais vraiment, c'était trop une bonne idée. Hein. Ok, j'ai gagné 15 de rage, elle a perdu de la vie. On va essayer le deuxième sort. Voilà, on va essayer ça. Faudrait que j'équipe la hache juste pour le plaisir d'essayer. Je peux pas l'équiper en combat. Non. Frappe qui draine une partie des dégâts infligés. Il me faut 15 de rage. On le tente. Ça consomme la rage. Ça fait l'attaque. Ok, ça va, c'est des mécaniques que j'ai compris. Je vais quand même équiper la hache juste pour... pour voir s'il y a un bonus certain à l'avoir ou pas, parce que je l'ai quand même chopé, donc j'ai l'impression qu'à faire, c'est peut-être un objet qui est destiné à être vendu, je sais pas, mais on verra. Oula, Lurt, qu'est-ce que t'as fait là? Depuis quelque temps, la lettre E est souvent portée disparue. D'accord, si vous avez l'information, n'hésitez pas. Ouais, j'ai compris après coup que t'avais enlevé une lettre bien précise. On peut pas remonter ici. Bah salut, salut Clem, excuse-moi, j'avais pas remarqué ton arrivée. Tu es la bienvenue, Clem, Lert CSN qui a écrit ça. Si tu veux, je peux t'envoyer l'affiche et le logo en format Photoshop. Je suis pas sur Photoshop, c'est gentil, mais je suis pas sur Photoshop. Moi, j'utilise Paint.net, donc j'aurais pas les couches. Mais c'est gentil de proposer. Mais qu'est-ce que tu crois? L'affiche, je l'ai déjà téléchargée. Hein. J'aurais juste pas les couches du coup parce que j'ai pas Photoshop. J'utilise Paint.net qui est gratuit. On va utiliser notre hache coupe fin. Hein. On va voir un petit peu ce. Oh, deux ennemis au lieu d'un. D'accord, on gagne de la rage et quand on attaque et quand on subit des dégâts. Elle l'avait pas one-shoté tout à l'heure. Elle fait plus de dégâts, la hache. Ouais, mais ça devrait être précisé. Ça devrait être précisé dans les statistiques, non? Ce que je fais là, du coup, c'est qu'en fait, je veux le soigner. Donc, je vais faire l'attaque rage pour me soigner. Parce qu'on ne régène pas entre les combats. Donc, voilà. Là, je me suis soigné exprès. Brr. Et pourquoi il fait plus de dégâts et que c'est pas écrit? Est-ce que je sais pas lire? Un force.
13, 14, 10, 15. 13, 14, 10, 15. Bizarre tout ça. J'ai l'impression qu'il me manque un champignon. Parce que là, on passe dans une autre zone, non? Qu'est-ce qu'il me veut, ce PNJ? Il a pas de curseur. Je suis à la recherche d'objets sortis des pierres rutilantes. Peu importe la nature ou la valeur du moment que ça étincelle. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait plusieurs fois que je clique par accident. Est-ce que quand on attend un certain temps, il lâche le dialogue? Non, parce que ça fait quand même deux fois que quand je clique sur A, en fait, je me retape le dialogue. Peut-être que je clique deux fois, ça me rend compte, ou que c'est la défaut de la manette ou du jeu. Je sais pas, mais c'est pas la première fois. J'ai raté un champignon, non? J'ai raté un champignon, je pense. Regardez, il y a une zone de sauvegarde. Ça sent le combat de boss. Peut-être il y a un gros... Ouais, peut-être le dernier champignon, il est là et il y a un boss. Peut-être. Soit dit en passant, le... Ouais, elle est là. Eh, c'est cool, cette flaque, je peux marcher dedans. Ça fait rien, mais je peux... Mais il y en a plein, en fait, des champignons. Ah, ils en ont mis plus que prévu. D'accord. Ok. Ok, ben cool. Ça fait rien si je ramasse, tu as 9 sur 10. Non, ça fait rien, d'accord. Je vais me l'affronter. J'aime bien l'XP. Tu n'as pas beaucoup de concurrence. Exact, mais il faut dire aussi que... Mais il n'y a que deux modos, tu n'as pas beaucoup de concurrence. Et best modo forever. Dans le genre, l'Earth aussi, il est plutôt bon. Ça fait plus de dégâts, la hache. Là, on sera fixé parce que je sais que je l'avais tué en deux coups tout à l'heure. Et la hache fait plus de dégâts et c'est pas écrit. Ok, c'est un point noir, soit quand même. Hache, plus de dégâts. Je me dis que je leur enverrai peut-être un petit ticket support pour dire tout ce qui, à mon sens, ne va pas. Juste pour qu'ils améliorent leur jeu avec une expérience en tant que joueur, quoi. Ils auront mon retour, je leur dirai, il y a ci, ça, ça. Ça pourrait être mieux. Et voilà. Et ben moi, je suis un VIP. Tiens, beaucoup. Ouais, parce qu'après, si je m'amuse à faire modo toutes les personnes que j'ai. Et puis, si je dis pas de bêtises, c'est SN et l'heure, tu as entendu un peu avant d'être modo. Me remarque, j'ai pas besoin de modo supplémentaire pour le moment. On va se défendre un peu. Parce que là, on a pris cher. Si on peut se soigner pendant les combats, c'est plutôt pas mal. Putain, 25 dans la tronche, quoi. Ah, je peux pas le faire à tous les tours. D'accord. On va se soigner. Voilà. Très bien. C'est moi ou elle a reçu un heal après coup? Non, c'est peut-être lui. Je sais pas, j'ai pas bien vu. Niveau 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau 2? Attends, me dis pas qu'on a rien. Ah, c'est là qu'on sait si ça fait plus de dégâts. Mais non, mais c'est les mêmes dégâts. Oh, ça me saoule, hein, lâche. Voilà, si ça fait plus de dégâts, c'est censé être écrit. Je vais pas me justifier, c'est tout. I am in the bed because I'm sleepy. I am on my computer because I'm not sleepy. Nouvelle zone? Faut que je parle à ce PNJ, il va sûrement m'empêcher de passer. Non, il m'empêche pas de passer. Oh, qu'est-ce qu'il me veut? Vivement que je puisse pêcher. Je vais pas faire que ça quand j'aurai appris. Je ne vais faire que ça quand j'aurai appris ce métier. D'accord. Ok. Donc là, on a effectivement un PNJ qui te donne une info sur les métiers. C'est-à-dire que ça, il faut être herboriste pour les ramasser. Les flaques qui brillent, les flaques de plutonium, en fait, il faut être pêcheur. Non. Oh. J'aime bien, ça me fait de l'XP, mais c'est un peu répétitif, quoi. Et en temps normal, évidemment, je les farmerai. Sauf qu'on n'est pas en temps normal, on est en live. Et donc, bah, je vais pas farmer en live. Enfin, je sais pas, vous êtes pas là pour me voir farmer de l'XP. Vous êtes là pour découvrir le jeu avec moi. Ok. Ah bah moi, je redescends jamais du lit. T'es sûr? Moi, je viens de descendre de mon lit. Mouahaha. Ah. Ah. Sifflard le bandit. Trop facile. Ces idiots doivent toujours être en train de chercher ses crédits. C'est lui, on a trouvé les sifflards, le bandit. Quoi? J'ai repéré. J'ai manqué de prudence. Vite, attaquons-le avant qu'il ne prenne la fuite. Ok, un boss.
J'avais un petit peu hâte d'affronter un boss. Aïe. Ok, bah on va commencer à ouvrir les hostilités. Hein. Ça va, il va me falloir quelques tours pour le tuer. Utiliser la technologie de l'armure pour se soigner. C'est seulement me soigner? Parce que je, si c'est pas pour monter mon armure, tu vois, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Là, là, typiquement, je vais pouvoir le faire. Ouais. Ok. Zbah! J'ai l'impression que je fais pas plus de dégâts quand je fais ça, donc il faut vraiment que je garde mes gros coups pour quand je veux voler de la vie. Ouais, elle régène bien. Là. Par contre, je peux pas le faire avant 3 tours, ce qui veut dire qu'il faut que je lui mette ma rave. Je sais que je l'ai déjà dit, hein, mais les dessins, vraiment... Moi, j'accroche, hein. Regardez, c'est bien fait, je trouve. Tu veux pas m'attaquer mon berserker? Là, ça me changera de... J'ai de sable comme dans Pokémon, quoi. Ouais. Je suis au corps à corps, mais bon, tant pis. On va dire que c'est normal, il m'a fait jet de sable. Et puis ça dure encore un tour. Enfin, je crois. Si je comprends bien l'icône. Mais ça veut dire que je suis condamné à le rater à toutes mes attaques, ou ça veut dire que j'ai une chance de le rater? Moi, j'avais interprété comme étant une chance de le rater. Ok, bon là, c'est le moment de me soigner. Et hop là! Ok, bon, plutôt facile le boss. Ah, c'est les papillons en premier plan, je croyais que c'était des bugs d'affichage. Ah, c'est des papillons. Papillons pixelisés. Là, là, juste au-dessus de la tête de la file. Ah, j'ai un casque. Et 240 balles. Pouf. Allez, faut peut-être que je les rende, non? Aïe, c'est bon, je me rends. Vous avez attrapé Sifflard le bandit? Toutes nos félicitations. Ça faisait des mois que ce vil Franklin nous filait entre les doigts. Nos supérieurs sont ravis. Il va de soi que nous leur ferons un rapport détaillé et que tout le mérite vous reviendra. Bien entendu, nous ne sommes pas du genre à nous attribuer les exploits des recrues. C'est marrant, je vous crois qu'à moitié. Voici votre récompense. Bonne chance pour la suite. Merde, j'ai pas lu la phrase. Instant, on a failli oublier le plus important. Bah oui, faut récupérer le fric. Quoi donc? La devise de notre faction, pardi. On est censé lancer une recrue. Ah non, ok. Mais oui, où avais-je la tête? Répétez après moi. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Enfin, les ennemis dans l'Empire doivent périr. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Non, 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 ça va pas du tout, c'est un cri de guerre. L'un de vous doit donner l'impulsion et l'autre doit finir avec conviction. D'accord, d'accord, je commence. Les ennemis de l'Empire doivent périr. D'accord, c'est comme ça qu'on le fait, ok. Formidable, quelle fougue. Les partisans de l'ordre et de la coalition n'ont qu'à bien se tenir. Vous êtes fin prêt. On compte sur vous pour porter haut les couleurs de notre faction. Ok, c'était un peu long, j'ai essayé de faire vite, mais j'ai bien aimé ce dialogue. En vrai, j'ai jamais lu les BD et romans noob. Tu as déjà eu l'occasion de mettre la main dessus? Jamais, moi non plus. Je me suis contenté de la websérie. Je suis pas un fan hardcore. La websérie est très sympa, mais je suis pas un fan hardcore au point d'avoir pris la BD ni les romans. Je suis sûr que c'est très très intéressant. Hein. L'idée d'univers étendu, ça me plaît beaucoup. Mais moi, je me contente à certains médiums. Et pour le coup, la websérie et le jeu vidéo, c'est ce qui me parle le plus. Peut-être qu'un jour j'aurai une BD, mais en fait, je sais pas, je trouve l'univers, il est peut-être un peu trop riche à mon goût, j'ai peur de m'y perdre. Déjà que je m'y perds avec la websérie parce qu'il y a beaucoup de choses. Si en plus, il y a une BD où il se bat sur le fait que t'es censé être au courant de ce qui se passe dans la série et que tu le sais pas, j'ai peur d'être perdu, mais à mon avis, il a fait ça bien. Et ça n'est pas, probablement pas le cas. Mais je sais pas, peut-être un jour, hein. Peut-être. Moi, je connais pas, ça me stresse. Tu connais pas Noob? C'est pas grave, le jeu vidéo, t'as pas besoin de le connaître pour... Les choses sont bien faites. Je ferai la même chose dans Pierre Feuille Ciseaux. Il y aura des clins d'œil évidents à la série, mais on n'aura pas besoin de connaître la série pour apprécier le jeu en principe. J'espère que je vais pas réveiller mes parents avec mon cri. Ah oui, doivent périr. Attends, mais il y a du fric ici. D'accord, et donc on en parle du fait que j'ai récupéré les crédits qu'il avait volés, mais que je les ai pas rendus aux gardes. J'ai l'impression qu'à droite c'est la suite. Du coup ça veut dire qu'ici c'est un cul-de-sac. Et donc je veux voir ce que c'est. Ou alors c'est un espèce de monde ouvert. Et rafleuse explosive. Non. Et zut, je vais vraiment devoir continuer tous les monstres. Non, dans 40. Ok, étoile. Attends, tu m'as fait peur, j'ai lu on est 40. Je me suis dit quoi? Drake effectue des mouvements rapides augmentant son esquive, d'accord. Ouais mais on va la one shot. Je peux augmenter mon esquive, moi, savoir.
On est 40. Et dans quel monde on est 40? À moins que Idri fasse un live et qu'il me fasse un raid. Mais du coup, ce serait bizarre qu'on ne soit que 40 pour le coup, tu vois. Mais bon. Et rafleuse explosive. Ok, donc il y a ça, c'est coup de feu. Et ça, c'est quoi? Attaque au pistolet possède une chance d'appliquer saignement. D'accord, donc c'est juste un champignon. Ok. Enfin, un champignon, il y avait un coffre aussi. On n'est pas 40, mais tu es le premier streamer de RPG. Le premier? C'est vrai, ça? C'est cool si ça arrive. Hein. Merci du coup hein, de me regarder. Noob, cet spectateur. Ah oui, on est 3, 2, 1, 1. Ok. Ça m'a paru bizarre parce qu'en fait, tout à l'heure, il y en avait un, il avait 6. Enfin, il était à 6, c'était un Québécois. Il avait à peu près le même nombre de follow que moi. Et je me suis dit, on l'a pas dépassé quand même. Non, c'est qu'il a dû arrêter de stream. Ok, ok. Non, bah c'est tant mieux si je suis le premier. Ça veut dire que les gens, ils vont... Hey, merci. CSN, n'hésite pas à faire ton truc avec le double compte, parce que si on peut passer à 4, moi je reste premier. Ça veut dire que les gens ils vont plus souvent cliquer sur le premier, et ce sera moi, et du coup, on va escalader, quoi. Il y a 4 personnes qui stream sur nos... Ouais, je viens de regarder, là, en direct. Donc là-bas, je peux pas y aller à cause de la cascade. Est-ce qu'il y a une... À votre avis, est-ce qu'il y a une profession acrobate qui me permet de faire un petit saut comme ça? Ou alors c'est juste du décor? En vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a rien... Je regarde au fond, hein, faut regarder au fond. J'ai l'impression qu'il n'y a rien au fond là-bas, spécialement, et donc il n'y a pas de raison de sauter, donc c'est probablement juste du décor. En tout cas, je l'ai déjà dit, mais il faut l'admettre, il y a du travail sur les graphismes. C'est beau, putain, mais regardez ce plan. Les ponts, les rochers, certes c'est pixelisé, mais on voit bien qu'ils se sont fait chier quand même à placer des choses pour que ce soit joli. Les rochers, l'eau, le... En termes de design, c'est... On y croit. On croirait vraiment un décor rocailleux, rocheux dans les montagnes. Ça c'est un décor, j'y crois. Ouais, ça peut exister, ouais. C'est vraiment un décor naturel. Ils ont géré de ouf les graphismes. Vraiment, hein. Putain, les décors. Et je parle pas de la texture, moi. Je parle de tout le reste. La disposition des objets. Le level design, quoi, d'une manière générale. Le design, pas le level design, parce que c'est des endroits où on peut pas accéder, mais le design, franchement, c'est... on dirait les graphismes de Dragon Quest. Ça suffit, non? Genre, toi, tu mets les tags programmation et ordre croissant, et je t'ai trouvé? J'ai pas mis le tag programmation. Sacré Québécois, toujours trop fort, hein. Carrément. Moi, je clique sur le dernier. Ouais, c'est bien, du coup, ça fait des découvertes. Et regardez, on y retourne. Alors, je sais pas si un jour on aura accès en bas. Peut-être. Mais si on n'a pas accès en bas, ça veut quand même dire qu'ils se sont fait chier à faire ça juste pour le plaisir des yeux. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on pourra peut-être passer en passant par là en bas, et qu'on revient comme ça. Mais si c'est pas le cas et si on n'y revient jamais, alors ils ont fait ça pour le plaisir des yeux. Je pense qu'on y reviendra, mais quand même, c'est de toute façon, c'est très bien réussi. C'est très joli. Donc là-dessus, point positif. Plus pour les graphismes. C'est le genre de détail dont je parlais. C'est qu'il y a des choses, elles sont pas faites alors que ça devrait. Et ça, c'est fait alors que c'est pas... C'est pas que c'est pas nécessaire, mais c'est le genre de détails qui finalement, détails font que le jeu, tu vois qu'il est beau et bourré de bonnes intentions. Il y a des trucs qui manquent, il y a des trucs qui manquent pas. Ça a été fait, ça a été travaillé, donc c'est très bien, quoi. J'ai à la recherche et d'objets sortis des pierres rutilantes. Peu importe la nature ou la valeur du moment que ça étincelle, ne me demandez pas pourquoi. J'ai tout lu en une seule phrase, c'était chelou. Oh, encore un combat. Cram, je t'ai trouvé, c'est pas aujourd'hui. Si, quand tu programmais, je t'ai trouvé, c'était pas aujourd'hui. Oui, mais du coup, je... Oui, effectivement, quand je programme, je mets le tag programmation. À chaque image du jeu qui était postée, ça allait clasher vénère, alors qu'en vrai, c'est très propre. Regardez mon nom sur Stream Avatar. Yes, t'as le nom goldé, GG Clem. Ça a clashé sur les images? Bah.
Il n'y a pas de raison, franchement, il est beau, quoi. C'est peut-être un peu simpliste, c'est vrai. Mais je trouve que, justement, ça lui sert, en fait. C'est un choix artistique. Et pour moi, c'est le genre de choix que je valide. Il est beau, le jeu. Bon. Il y a un truc que je trouve moche. Je l'ai déjà dit au début. C'est les personnages. Les personnages, je les trouve vilains. Pas leur dessin en bas à droite. Hein. Leur dessin en bas à droite, il est sublime. Là, les personnages qu'on voit en 3D, ils sont un peu vilains. À mon goût. Mais bon, ça va. Regardez son visage, quoi. Il est, l'ombre, elle est mal gérée, quoi. Je sais pas, il m'a l'air aussi peut-être un peu trop... J'ai l'impression que c'est une brique qu'on a vaguement découpée dedans. Il a pas de forme, enfin, genre le Fabien, il était censé être méga musclé, et puis il était pareil, il était cousu pareil. Un petit mec en brique, en fait, tu vois, c'est... C'est limite s'ils ont pas un léger gros ventre, en fait. Donc, c'est un détail, et je comprends que ce soit très difficile à programmer différents modèles de personnages. Donc, pour le coup, là, je leur jette pas la pierre. Je dis juste que, voilà, si je dois faire un commentaire, et comme j'ai dit, je commente toutes mes impressions d'une manière générale, voilà, les personnages, je les trouve moches. Un détail qu'ils ont fait, là, que je viens de remarquer à l'instant. Si le monstre, tu passes derrière et qu'il te voit pas, il ne t'agresse pas. Il faut qu'il te regarde pour te voir. C'est un détail. Mais c'est un détail positif. Mais voilà, c'est un détail, mais positif. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait. Hein. Vraiment, il y a de la bonne volonté. C'est juste, je pense, les choses auxquelles que j'ai critiqué plutôt des détails qu'ils n'ont pas fait, c'est soit des trucs qu'ils projettent de faire, soit des trucs auxquels ils n'ont pas pensé. Mais du coup, je leur enverrai un petit message pour leur dire quand même. Il y a un campement non loin d'ici. Continue de te diriger vers l'est. C'est prévu, oups! J'ai rien contre les combats, c'est sympa, mais pour vous, c'est peut-être pas le truc le plus sympa à regarder, donc... Je suis encore plus un VIP? Ah, oui, encore plus. Oui, à cause de ton nom, ouais. Ça a pas fléchi de saignement. Est-ce que je l'ai bien équipé seulement, mon arme? Est-ce que j'ai bien équipé mon arme? J'ai pas l'impression. Ah, mais je suis déjà niveau 3. Ah, c'est pour ça que j'ai gagné des stats de compétences, là. Attendez, je crois que j'ai mal équipé mon arme. Ouais, je l'avais pas équipé. Autant pour moi. Compétences. Fais voir un petit peu. Défense. Réduit les dégâts pendant un tour. Un tour? Pourquoi pas deux? Parce que le tour où je le fais, du coup, c'est le tour où je vais pas prendre de beigne. Et quel est l'intérêt de se défendre? C'est utile contre les ennemis où tu vois qu'ils préparent une grosse attaque. Tu te défends. Jeu de jambes augmente l'esquive. Drain de vie que je connaissais déjà. Coup de hache. Ok. Alors, tant que tu es là, c'est bien. Punaise, on dirait, moi, des Pokémon qui esquivent des dresseurs. Dans Pokémon qui esquivent des dresseurs. Ouais, je comprends. Regardez. Il me voit pas, il m'attaque pas. C'est un détail, mais c'est bien fait. C'est sûr que si tu parlais pas, ça serait chiant, mais vu que tu parles, ça, c'est tout le principe d'un live. C'est, j'ai envie de dire, le but c'est d'échanger et de parler. Faudra que je réfléchisse à quand est-ce que j'arrête la vidéo YouTube. Là, ça fait déjà 30 minutes. J'aurais juste aimé un petit combat de boss ou m'arrêter juste devant un boss, en fait, histoire de... Pas un cliffhanger, mais histoire d'inviter les gens à venir voir la suite, presque, tu sais. Non, mais c'est pas grave, les gens ils regarderont la suite sans que je leur force et que je leur tease. Il y aura tôt ou tard un boss sur la fin de cette zone. Je sais pas, si le bandit c'était un boss, c'est peut-être un peu trop facile à mon goût. J'aurais peut-être dû mettre le jeu en difficile, il y a moyen que je change les réglages pendant le jeu. Parce que là, il est un peu trop facile à mon goût. Un peu trop. Mais en même temps, j'ai mis en normal. Si je voulais un jeu dur, il aurait fallu que je mette en dur. Non, du coup, il n'y aura pas de suspense. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.